Alors, on continue nos leçons. Nous sommes à la partie 3 de la leçon 1, c'est-à-dire sur le calcul littéral. Donc, le calcul littéral. Aujourd'hui, nous allons parler de développer et réduire. Alors, avant de chercher à développer et réduire, il y a quelques connaissances quand même qui sont nécessaires. Par exemple, comment supprimer une parenthèse? Alors, regardez cette parenthèse-là. Il y a un signe moins derrière la parenthèse. D'accord? Donc, dedans, regardez. Quand la parenthèse disparaît, regardez ce qu'il y a dedans. Tout devient inverse. Attention, tout devient opposé, pardon. Donc, le moins 3x devient 3x, le plus x devient moins x et le moins 2 devient plus 2. Tout simplement parce qu'on avait un signe moins derrière la parenthèse. Autrement dit, quand on a un signe moins derrière la parenthèse, en supprimant la parenthèse, tout ce qui est dans la parenthèse va changer. On n'oublie jamais de changer. Si tu changes tout et que tu oublies de changer 1, au revoir. Alors, ici, on a un signe plus. Quand on a un signe plus derrière une parenthèse, parfois, on peut l'écrire plus, mais parfois, si on ne l'écrit pas, sachez que si on ne met rien, ça veut dire plus. Si on met un signe plus, ça veut dire plus. Regardez dans la parenthèse. J'ai gardé textuellement tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, rien ne change parce qu'il y a un signe plus derrière la parenthèse. Deuxième connaissance, les opérations avec les lettres. Attention, lorsqu'on doit faire une addition et une soustraction, il faudrait que les lettres soient les mêmes. Par exemple, si c'est 2x plus x, je peux calculer ça fait 3x. Si c'est x carré moins 4x carré, je peux aussi calculer parce que c'est les mêmes lettres x carré. Donc, ça me fera moins 3x carré. Mais si j'ai 2y plus 3a, je ne peux pas calculer. Si j'ai 2x carré plus x, je ne peux pas calculer. Si j'ai x carré moins x au cube, je ne peux pas calculer. Autrement dit, avec l'addition et la soustraction, il faudrait que les lettres soient scrupuleusement les mêmes afin que je ne puisse calculer. Ce qui n'est pas le cas de la multiplication. En multiplication, quand je multiplie et que les deux lettres sont identiques, la lettre devient au carré. Par exemple, 2x fois x, ça fait x carré. Si les deux lettres ne sont pas identiques, je les juxtapose. Par exemple, 2y fois 3a, ça me fait 6. 2 fois 3, ça me fait 6. Et puis, ça, vous voyez, ça fait ya. D'accord? Donc, ici, en multiplication, il n'y a pas de limite. Si il y a 6a fois 3a, ben, les deux lettres sont identiques. Donc, a fois a, ça fait a carré. Du coup, 6 fois 3, 18. Donc, j'aurai 18a carré. Bien, on passe au développement. Alors, on peut développer par deux méthodes. La première méthode qui est universelle, qui marche partout, c'est la méthode distributive. Ça veut dire quoi? J'ai un signe A, facteur de B plus C. Mais je fais ça fois ça, ensuite ça fois ça. Donc ça fait A fois B, donc ça fait AB plus A fois C, ça me fait AC. D'accord? Avec les chiffres, il y avait 2 ici, fois 3, ça me fait 2 fois 3. Avec les nombres, on fait les mêmes choses. Quand j'ai ici, dans la première parenthèse, il y a deux éléments. Dans la deuxième, il y a deux éléments. Je prends le premier élément ici. Je distribue aux deux autres éléments. Ça veut dire quoi? A fois F. Ensuite, A fois G. Quand j'ai fini, je vais prendre le B fois F. En fait, ensuite, le B fois G. D'accord? Donc, c'est la loi de la distribution. On peut me donner A plus B tout au carré. Comme ce n'est pas deux parenthèses, c'est difficile pour moi de distribuer. Mais je sais que quand on dit quelque chose au carré, c'est la chose soit elle-même. Donc, A plus B au carré, c'est comme si c'est A plus B, facteur de A plus B. Donc, j'applique ma distribution. A fois A, A fois B, B fois A, B fois B. En mathématiques, on regarde bêtement l'exemple et on l'applique bêtement. On ne dit pas « je ne comprends pas ». Quand j'ai une opération, j'ai un exercice, je regarde mes exercices qu'on m'a donné, ça ressemble à quelle méthode. Je regarde ma vidéo et j'applique la méthode. On ne dit pas « je ne comprends pas ». Ok? Si j'ai A moins B le tout au carré, je fais A moins B facteur de A moins B. Au carré veut dire la chose multipliée par elle-même. Et j'applique la distribution. Cette fois-ci, on fait attention au signe. Regardez par exemple, j'ai moins B fois A. Ça fait moins AB ou bien moins BA. Donc, on fait attention au signe. J'ai A moins B facteur de A plus B. Je fais la même distribution. A fois A, A fois B. Maintenant là, j'ai moins B fois A. Et après, j'ai moins B fois B. Je fais la même distribution. D'accord? En dehors de la méthode distributive, il existe un certain nombre d'opérations qu'on appelle les identités remarquables. Ça veut dire quoi? Au lieu de faire par la distribution, on fait des raccourcis. Vous voyez, A plus B le tout au carré. Au lieu de faire A plus B facteur de A plus B et appliquer la distribution, qu'est-ce que je fais? J'applique une méthode raccourcis qui dit que je prends le A, je l'élève au carré, que je mets plus. Je fais 2 fois A fois B et je mets plus le B au carré. Si c'est A moins B le tout au carré, c'est la même chose qu'ici, mais seulement que lui devient moins. Si j'ai A moins B facteur de A plus B, je prends le A là, le valet, je l'élève au carré. D'accord?
Ensuite, je mets moins et le B, je l'élève au carré. Alors, les sites d'application, avant de donner les sites d'application, je vais faire des cas pratiques. J'ai 2 moins 7 facteur de moins 2 plus 3. Et la distribution dit, je fais 2x fois moins 2a. Le premier ici fois là. Donc, 2x fois moins 2a. Je connais bien mes règles de calcul parce que M. Oubouel me les a appris dans le groupe. Donc, ça me fait moins 4x carré. Ensuite, j'ai 2x fois 3. Ça me fait plus 6x. J'ai moins 7 fois moins 2x, ça fait plus 14x. J'ai moins 7 fois plus 3, ça fait moins 21. Et là, je regarde les lettres qui se ressemblent, je les calcule ensemble. Le x carré est seul, je le mets. Il y a 6x plus 14, ça me fait 20x. Moins 21, il est seul. OK. J'ai 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Ah, il ressemble plutôt à celui-là. Il dit que je prends le premier qui est 2x, je l'élève au carré. Je mets moins. Le deuxième qui est 3, il lève aussi au carré. Ça fait 2x au carré moins 3 au carré. 4x carré moins 9, simplement. Mais je peux appliquer la loi de la distribution comme ce que j'ai vu au recto de la feuille. J'aurai toujours le même résultat. D'accord? J'ai 7x plus 5, le tout au carré. Eh bien, voilà. Le premier au carré, donc 7x au carré, plus 2 fois les mêmes 7x fois le 5, plus le 5 au carré, selon la formule qui est là. Donc, je calcule bien et je trouve ceci. Donc, voici l'exercice à faire. Je vous rappelle que quand vous traitez les exercices, envoyez-les en privé pour qu'on puisse faire vos remarques, pour que vous puissiez poser vos problèmes spécifiques en privé. Parce que ce n'est pas intéressant de poser des problèmes en groupe. Comme ça, ça vous démotive un peu. Donc, s'il vous plaît, quand vous traitez les exercices, envoyez-les en messagerie privée. Et arrangez-vous pour que en 24 heures, vous puissiez traiter les 6. Parce que vous voyez, chaque jour, on ajoute un autre exercice. Si vous faites 2 jours sans traiter les 6, ça va s'accumuler. Et quand un jour, il s'est fait d'autres exercices sur d'autres leçons, c'est là où vous allez m'envoyer les 6 en retard. Je ne vais pas m'occuper de vous avec efficacité. OK? D'accord? Et voilà, maths facile. Pour ceux qui veulent nous écrire en privé, voilà le numéro. Pour ceux qui sont dans le groupe déjà, vous bénéficiez du suivi personnalisé sans aucun problème. Voilà, allez, bonne chance à tous.